Ce bâtiment, maison de l'étudiant, donc, a été pensé pour être un lieu pour l'ensemble des associations étudiantes, mais également pour réunir tous les services qui ont attrait à la vie étudiante dès leur arrivée à l'université. Au rez-de-chaussée, donc c'est toute la partie donc salle de représentation du théâtre, du ciné-U, des séminaires. La salle de multi-activité pour le sport. Et puis vous avez la salle d'art plastique pour tous les ateliers. Atelier sculpture, atelier peinture et dessin. Tous les services que les étudiants peuvent trouver dans cette maison de l'étudiant, c'est aussi bien donc le service du SUM, service universitaire de médical de prévention et de la promotion de la santé. Donc tous les étudiants pourront venir à ce service et avec leur carte vitale donc, avoir leur visite médicale. Il y a également le service d'orientation et d'insertion professionnelle, le service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, le service de l'assistante sociale du CROUS, le bureau des enquêtes et analyses. Et puis, au premier étage, on a tout le service de la vie étudiante, les relations internationales et bien sûr toute la pépinière associative. Hein, et chaque association qui a agréé, qui a fait une demande de bureau, a un bureau avec une réserve. Tous les nouveaux étudiants donc, qui arrivent à l'université viennent directement à la maison de l'étudiant pour donc, finaliser leur inscription administrative. Généralement, ces inscriptions administratives se font par Internet, mais ils ont quelques difficultés, donc ils viennent finaliser leur inscription. Et lorsqu'ils arrivent sur cette maison d'étudiants, ils ont l'ensemble des services, puisque le service de la vie étudiante leur a mis en place un guichet unique. Sur ce guichet unique, ils trouvent tous les services, aussi bien les mutuelles que des comptes, donc un service bancaire, l'office de tourisme donc de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc vraiment tous les services utiles, le service logement également, qui est là. Donc pour répondre à des étudiants français, des étudiants étrangers qui sont à la recherche aussi de logements.